Salut YouTube, on est sur Azir. Voilà. Tac, tac. Genre, ça se voit pas. Ah putain, d'ailleurs pour... Ah. Un bon début. D'ailleurs, pour les néophytes qui ne connaissent pas trop LoL, j'avais l'habitude de mettre le nom du champion au-dessus des champions et pas le nom du joueur. Voilà. Salut YouTube, il est sur Azir. Pas Gaga, mais de fou, vraiment. C'est mis par défaut chez moi, donc c'est pas compliqué. C'est vrai que Mewtwo, c'est quand même une invention incroyable. Hein. Et encore, ils avaient dit qu'ils voulaient retirer le chat hall, hein. Le chan hall, le chan. Nous sommes contre Akshan. Ça a été annulé, ça, je suppose. Hein, le coup du chan hall détruit. Meurtre, mort, détruire. Oh là là, il faut trop se concentrer sur Azir. C'est pas un champion pour moi. Moi, je suis censé discuter et juste appuyer au hasard sur mes touches. J'espère qu'il n'y a aucun main Azir qui va regarder la vidéo parce que ça va être terrible. La vidéo et le stream d'ailleurs. En plus, j'aime pas jouer contre ce truc là. Par contre, j'adore le jouer lui. Ok. Mais quelques coups en. Alors, je ne tenterai aucun tricks. Je préfère le dire. Parce que me ridiculiser, bah, je le fais déjà une game sur deux. Et comme je l'ai fait la game d'avant, bah, pas de suite. Hein. Ah, ça fait mal ça. Ok, il s'en est allé. Ah, oh, j'ai raté ça. Oh. Ah, j'aurais dû prendre un soldat en fait. Ça m'aurait donné plus de dégâts. Ah! Ok. Il joue Azir là. Ouais, ouais. Mais c'est uniquement parce que j'ai fait un pourquoi jouer dessus. Hein. Comme ça, les gens voient bien que je fais des vidéos sur les champions. Ça veut pas dire que je les joue bien en fait. Je sais juste leurs compétences et leur histoire. En gros. Bien, mange-toi. Non! Je rate tout. C'est honteux. Je dois max quoi d'ailleurs? Ça, je crois. Normalement. Si je dis pas de bêtises. Azir YouTube, il est salut sûr. Ah, c'est bien, j'ai bien cadré l'arbre à chat. Alors que le chat n'est absolument pas dans l'arbre à chat. C'est pratique ça. Oh là, j'ai raté mon Q, je suis con. J'aurais jamais dû faire ça. Imbécile. Hmm. Quand t'as pas l'habitude, c'est pas foufou le champion. Hein. Ça me fait penser à Aurélien un peu. Si jamais tu maîtrises pas à fond, tu ne sers à rien du tout. Déjà, ça m'étonne que je sois pas mort. Déjà, pour farmer, c'est une galère depuis tout à l'heure. Je peux peut-être le poke un peu. Pourquoi pas. Oh, j'arrive pas à farmer. Ok, j'ai eu le gros déjà, c'est un pas en avant. C'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu The Office? Je demande comme ça, hein, parce que je suis en plein dedans. Et j'ai littéralement 17 ans de retard, mais au calme. Ok. Je me fais déglinguer par les sbires, genre... C'est ma série préférée. Ah ouais? Sérieux? Je suis en plein dedans. Et bah je me tape des bonnes barres. Des bonnes barres de rire. Par contre c'est abusé. Hein. Avant je trouvais que... Enfin avant, je trouve toujours mais... Avant je trouvais que les séries comme La Flamme et Le Flambeau c'était incre. C'était marrant de fou parce que j'adore l'humour absurde. Mais en fait maintenant j'ai clairement compris que c'est The Office qui est à l'origine de ce genre d'humour quoi. Je suis désolé, mais quand je vois le personnage principal de The Office, c'est Marc, en fait, de La Flamme, en fait, finalement. En plus d'être dur à jouer, le airbug. Ah ouais? C'est une bonne info. Comme ça, si jamais je le rate, bah, ce sera un bug. Merci. Si jamais je le rate, comme ça, on sait que c'est un bug. Hein. C'est pas du tout un manque de... Allez, allez.
C'est pas du tout un manque de skill, bien sûr. Doit aussi se marquer. Un peu, ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que j'ai vachement capté les similitudes en termes de mécanique d'humour. Le Akshan n'aura pas réussi son gank sur le Shaco. Malheureusement. Enfin, malheureusement, non, heureusement. Malheureusement pour lui, je veux dire. J'ai quand même pas tout raté. Ah non, c'est bon. Et est-ce qu'il y a des joueurs de Dofus, s'il vous plaît? C'est important. Parce que je n'ai jamais mis les pieds sur ce jeu et j'ai besoin d'en savoir un maximum. Il faut que j'y joue, mais je ne trouve pas le temps. Je me demande si je ferai pas une découverte en live, mais bon, on va se faire chier. Enfin, parce que je vais pas réussir à l'animer correctement, je pense. C'est dur de farmer avec ce truc là, avec le pigeon là. Dofus, quel plaisir. Ah ouais. J'y joue plus depuis trop longtemps. J'aurais pas très utile. Ouais. Dofus ici, ok. Range avec moi, bâtard. Bonjour, bienvenue. Bon, la lane est plutôt tranquille hein, pour l'instant. Dis-je, avant de me faire littéralement exploser. J'en suis au niveau farm par rapport au Akshan. Non, attends, putain, c'est tellement pas le moment. Oh putain, mais c'est tout dans le désordre, je déteste ça. Ah, je suis devant. Je suis devant au farm, c'est quand même fou ça. Maki, t'es fou ça. Dorime. Attention, il n'y a plus le Akshan. Merde, remerde, je rate tout. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'espace. Ok. Bon. J'ai eu une assistant. C'est bien. On peut faire le Drake, je pense. Je vais aider avec mes soldats. Je sais pas comment il s'était placé, le Akshan, mais Erreur. On va se le faire voler. C'est parce que j'ai une vision de jeu en fait qui est assez élevée. Du coup, je l'ai un peu senti. Voilà. Ça, c'est des années d'expérience aussi en termes de se faire voler le Drake comme des grosses merdes. Voilà. Par contre, j'aimerais bien que ma vision de jeu me serve à gagner aussi, c'est cool. Ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. Imagine 27 mois sub, tu me vois une fois tous les 57 ans. Vraiment très mal. Tous les 57 ans. It's me Pike, merci beaucoup pour les 27 mois, du coup. Merci, c'est gentil. Non. Putain, les dégâts de Akshan, c'est... quand même quelque chose. Par contre, j'aurais pu le repousser avec mon ulti. J'étais pas assez concentré sur le move, hein, pour le coup. Clairement pas. J'étais clairement pas assez concentré. Dofus, c'est un MMORPG. C'est le max d'infos que je possède. Ok, d'accord. Je me suis remise à Wakfu. Alors, justement, je sais que la différence entre Dofus et Wakfu, c'est que c'est pas du tout le même gameplay. Ni le même background, ni les mêmes maps. Par contre, c'est les mêmes classes, me semble-t-il. Hein. Je vais tellement me faire péter en deux. Après, il... peut-être me sous-estimer et puis me foncer dessus et puis je peux tenter des tricks pour rigoler. Je sais pas. Il y a peut-être moyen. Il y a un monde où je le outplay, mais pour ça il me faudrait quelques heures en plus sur le champion en fait. Parce que là, pas possible. Non. Oh. Non, je le tue pas en plus, hein. Je suis obligé de partir. Hein. Dommage parce qu'il s'est pris plein de coups de tour. Je me suis dit peut-être si je mets assez de dégâts, mais je mets absolument toujours pas assez de dégâts. C'est un plaisir de regarder tes lives même si je parle pas beaucoup. Par contre, j'ai essayé de dash avec le. J'ai essayé de poser mes soldats avec le Q. Alors qu'en fait, c'est le Z. Et je suis un connard si j'avais compris plus tôt que c'était sur le Z. Mais c'est la panique, hein. Italiana Forza. Merci beaucoup pour les 7 mois, c'est gentil. Bah, plaisir partagé, merci. C'est
C'est gratuit si tu t'abonnes avec les lamas. Hein? Wakfu complètement gratuit aussi, contrairement à Dofus. Ah, Dofus, c'est pas complètement gratuit. Il faut s'abonner avec les lamas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je vais me renseigner parce que voilà. Parce qu'il faut que j'en apprenne un peu plus sur le jeu, là. En vrai, il y avait de l'idée dans le move. Il y avait de l'idée, il aurait simplement fallu que je pose mon soldat et que je dash dessus en appuyant sur les touches dans le bon ordre, en fait. Parce qu'en fait, je suis matrixé dans le sens où j'ai vraiment l'impression que poser les soldats, c'est Q et dash, c'est W, alors que c'est l'inverse. Et je trouve ça plus logique de poser le soldat avec le Q et de dash dessus avec le W, mais bon, ça... Ouh là là, ça pue, ça. Ok. C'était un gank. C'était un sale gank. Mais je lui fais zéro dégâts, mais c'est très grave. Hein. Je pense que Azir, il faut vraiment attendre un peu plus dans la game pour pouvoir trade comme ça, hein, parce que... Auto-attaque contre auto-attaque, il me détruit, littéralement. Il me fait du mal. Je prends ma fessée. Wow, wow, wow! Mais arrête! Oh non, dommage, putain. J'ai pas réussi à dash. Mais pourquoi j'ai pas réussi à dash? Est-ce que j'étais déjà en cooldown? Putain, mais je suis trop con. Désolé, j'apprends, hein, je teste des trucs, hein. On m'en veut pas. Par contre, là, je pense que s'il utilise son grappin et qu'il me fonce dessus, je suis dead. Bon, sauf avec la barrière, bien sûr. En fait, moi, je m'entraîne à faire ça, en fait. Mais putain, pourquoi j'arrive pas? Ah, mais putain, mais c'est le E pour dash. C'est pour ça que je rate tout depuis tout à l'heure. C'est ça. Mais oui, en fait, je suis censé faire... Ok, d'accord, j'ai compris ce que je dois faire. Il faut que je fasse... ZQE, mais très vite le QE, en fait. Faut que j'essaye à la base, pour voir. Pardon, hein, je teste des trucs en plein milieu des games, hein, c'est ma façon de travailler. EQ, faut que t'aies toujours un max de soldats de up. Tu peux aller jusqu'à combien de soldats d'ailleurs? 3? 3, ok. Ou 4, ah, tu peux en avoir plus que 3. Alors, laissez-moi voir un truc. Je veux faire genre... Ouais, c'est ça en fait, hein. C'est ça. Mais je suis pas pianiste, moi. Hein. Bon. Vraiment désolé pour cette game. De quoi? Non, mais c'est pas la peine de s'excuser quand tu meurs dans mes games. Hein. Quand tu vois ce que moi je suis en train de faire. Moi, je suis à la base en train de tester des enchaînements. Donc bon, t'excuses pas parce que t'es mort deux fois. Ah oui, d'accord, ok, c'est comme ça. J'ai capté. Bon, par contre, je fais vraiment zéro dégâts pour l'instant. Hein. C'est terrible. Il n'y a absolument... aucun match. Ah, je lui fais vraiment zéro dégâts. C'est bizarre, hein. Alors, est-ce que je lui fais zéro dégâts parce que j'ai du retard dans la game? Ou est-ce que je lui fais zéro dégâts parce que j'utilise trop mal mes compétences? Mais je sais pas, parce que je mets tout, en fait. Ouais, peut-être que deux soldats, c'est pas assez. Q pendant le travel time. Ah, pendant? Ça passe pendant? Attends. Ah ouais, ok, ça passe pendant. Ok. Oh. Ok. Ça au moins j'ai compris. Merde. Mais par contre niveau farm c'est infâme comme je suis nul. Faut que je m'entraîne. Je pense que je vais m'entraîner là et que je vais me faire péter par la Elise. Yeah, par la Elise. Ah, c'est bien parce que chez moi ça ne résonne pas du tout, hein. Je crois qu'on m'a entendu jusqu'à l'autre bout du quartier. Merci, c'est gentil. Salut Wayaza, pardon, je sais pas comment prononcer, mais bonjour, bienvenue. Nice move. Après en fait je l'ai fait, mais sans savoir si ça allait marcher, donc en soi c'était pas si...
C'était pas si faux. En fait, c'est cool quand tu... Quand tu calcules et tu prédictes en mode ouais, ça va faire ça. Moi, je savais pas ce que ça allait faire, donc c'est pas si beau que ça finalement dans ma tête. Mais il y a beaucoup de possibilités sur le champion, hein. C'est sûr. Mais j'ai l'impression que je commence à taper un peu plus fort en fait. Du coup, ça me fait plaisir. Ouais, je commence à taper un peu plus fort et je suis très content de ça. Est-ce que je peux aider des gens? Genre lui, il va se faire attaquer par mon Akshan normalement. Aïe. Oh, tout le monde est mort? Ah non, c'est bon. Oh. Aïe. Ouais, malheureusement, je ne m'en sors pas. Ah non, dommage. En fait, je me suis dit peut-être que je flash ici, j'utilise un soldat pour passer là. Mais j'étais trop concentré sur le Akshan qui avait 2 HP. Mais au moins, il est mort. J'ai grid au lieu de réfléchir à l'action, je suis nul. Ah, dommage. Il faut que je me remette dans le truc. T'as bien prononcé. Alors j'ai prononcé de deux façons différentes. J'ai dit oui à ça et why à ça. Je sais même pas si c'est ça ou ça. Par contre, garde toujours ton E pour escape. Ouais, je crois que c'est ce qu'il faut que je fasse en vrai. C'est mieux. Ou alors à la limite je le garde pour si je veux me rapprocher rapidement pour mettre un ult. Mais je pense qu'il faut que j'arrête d'agresser avec le E. Oh bien ça. Oh. Ouh. Oh, c'est bon ça. Oh, dommage qu'il soit mort. Pourquoi je vais en bot lane? J'arrive, je vais essayer de tuer l'araignée. J'arrive. Alors, Nalf, réfléchis. Réfléchis à ton combo, s'il te plaît. Ok. Elle est où la bête? Elle est là. Ok, c'est bon. Bon, c'était moyen bien. Mais en vrai, il y a grave de l'idée. Il y a grave de l'idée, mais faut trop réfléchir, c'est pas pour moi. Vraiment. Moi, je suis bien sur les persos comme Xerath, avec Xerath, mais... Non, Xerath, c'est un peu compliqué aussi, mais... Mais genre, comment? Ah! Quand je panique, je trouve plus mes touches, c'est grave. Par contre, c'est normal que le Akshan, je n'arrive absolument pas à le tenir. Ok. Le Akshan, j'arrive pas à le tenir du tout. C'est impossible pour moi. Faut pas fight avec un seul soldat. Ouais, ok, d'accord. Tu mets un soldat quand tu décides de te déplacer. Le temps que tu arrives, t'en as un deuxième, tu Q. Ok, ouais. Pose un troisième et là, tu as tout ton burst. Première fois que je te vois en live, je te suis en vidéo de base. C'est pas les mêmes connaissances en live qu'en vidéo, hein. Mais bienvenue à toi, Nokstrom. Merci, c'est gentil de passer. Oh. Alors, par contre, je suis trop nul, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Je peux pas aider parce que je suis nul! Désolé, les potes, j'ai pas de vie. Et parce que je discute avec le chat aussi, accessoirement. Ah, dommage. Ah, oh, putain, je sais que je peux être utile. En fait, ce qui est frustrant avec ce champion, c'est que tu sais que tu peux être très utile et retourner des situations. Le problème, c'est que quand tu le maîtrises pas. Tu foires tout, mais complexe Asie un peu. Akshan, perso de fragile. Tu sais, j'ai adoré le jouer Akshan. J'adorais jouer Akshan sur le PvE à l'époque. Oh, merci beaucoup Italiana Forza pour les 5 abonnements, c'est gentil. Merci beaucoup. Propre, merci beaucoup, c'est gentil. Oh putain, t'as... Ah bah tu vois, tu as sub un de mes... Elle est morte. Tu as sub un de mes modos. Merci beaucoup. C'est gentil. Oh, en top lane, c'est la merde. C'est la merde. Je me souviens des cooldowns de mes soldats aussi. En fait, Azir, je pense que c'est un champion qui révèle tout son potentiel une fois que tu as conscience de tes cooldowns et que tu n'as plus besoin de regarder ta barre de sort pour le jouer. Genre vraiment, là j'ose pas y aller parce que bah... Parce que pussy, you know, I'm a little pussy. Mais voilà quoi. Merci encore pour les 5 subs, c'est gentil. Je vous régale les potos, bah merci beaucoup. KFC Parois.
En fait, je me sens pousser des ailes, c'est marrant ça. Avec ce champion, que quand j'ai mon ulti en fait. Quand j'ai pas l'ult. Ah putain, par contre, c'est vrai que j'ai un passif. Et le passif, il faut que je pense à l'utiliser. Oh. Ah, j'ai pas d'ulti. Bien tenté, Nalf. Bien tenté, Nalf, mais tu n'as pas d'ult. C'est très dur, hein. Ouh. Enfin, c'est très dur. Je dis c'est très dur parce que j'ai pas un bon niveau sur le jeu de base, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils jouent Azir. Ils jouent Azir avec une main dans le slibère. Ok, c'est pas ouf. Ok, c'est pas ouf du tout ce qui se passe. Ok, bon. Je vais m'escape du fight parce que ça devient dangereux pour ma tronche. Ah, j'attends mon E en fait. Un ulti. J'attends mon E, mais ça va pas servir à grand chose, je pense. Oh, Demacia. Oh. Non, c'est pas bien ce que je fais. Ah, je me suis fait défendre. Oh, désolé, je réfléchis trop pendant les fights. Hein. Je m'excuse auprès de ma team, je réfléchis beaucoup trop pendant les fights. Du coup, j'hésite à faire plein de trucs. Et je sers à rien, mais ça va venir, hein. Ça va venir, hein, pardon, hein. Mets ton Z dès qu'il est dispo. Ouais, c'est ça, en fait, hein. Faut aussi que je le pose partout dès qu'il est dispo. Mais je réfléchis trop, je suis trop dans ma tête. Dent de Nashor, ça proc sur les clones. Je sais pas si la Dent de Nashor proc sur les clones. Je vois pas de Dent de Nashor dans son build habituel. Du coup, je suppose que c'est pas si fort que ça. Pour les mondes gagnés sur WoW en observant des lives, ça fonctionne si je les regarde sur téléphone. Normalement, oui. À partir du moment où t'as ton... D'ailleurs, hé, d'ailleurs. D'ailleurs, je suis en train de vomir en live. Hello, je te suis sur YouTube normalement. Je viens pour te soutenir un peu plus. Visage souriant. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Lou Magnus. C'est gentil. Merci beaucoup pour ton sub. D'ailleurs, pas pendant la première salve de drop, mais pendant la deuxième et la troisième, je serai en live sur WoW. Voilà, sachez-le. Du coup, si vous voulez des drops sur WoW, n'hésitez pas. Ici, il y en aura. Voilà. Sauf si vous préférez voir d'autres streamers WoW, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, je les activerai, je serai ici. Parce que j'ai très envie de jouer à WoW en ce moment. Et j'y joue beaucoup en off. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas jouer un peu en live aussi. Du coup, voilà. Histoire de chill un peu. Il y aura les drops sur WoW ici même. Voilà. Mais à partir du moment où ton compte est lié, je pense que sur téléphone, ça fonctionne. Je pense que sur tel, ça fonctionne. Faut que je farm, je pense. Je suis un peu honteux niveau farm. C'est honteux. Oh, j'ai raté les deux. Quelle tristesse. Comment on associe Bilby et Twitch? Alors, je suppose que c'est au moment où tu as l'occasion d'avoir les drops. Là, je sais pas quoi faire, par exemple, vous voyez. Là, je suis Azir, mais je ne sais absolument pas quoi faire. Ok. Ouais, je sais pas quoi faire. Là, je sais pas quoi faire. Je pense qu'il faut que je reste vraiment tout derrière le fight. Mais j'ai l'impression que la Jinx, elle est ultra feed. Ah oui, mais putain, c'est pour ça, en fait, que je prends si cher depuis tout à l'heure. Ah là là, je suis mauvais aussi, hein. Tac. Il faut que je remette tout dans l'ordre parce que ça me stresse. Ok, c'est bon. Ah ouais, ouais, la Jinx, elle a bien mangé. C'est pour ça qu'elle me désingue. Elle m'a mis combien? Oh, mais c'est le Akshan qui m'a le plus tué, là. Ok. Ouais, je suis trop perdu sur le perso. Il faut vraiment que je bouge. Faut rester en arrière pour rester soldat et utiliser pour... Ouais, je pense que là, j'étais ultra mal placé, en fait. C'est ça, le problème. J'étais très, très mal placé face à Jinx et Akshan. Un peu difficile, là. Je me suis dit peut-être qu'un ulti, ça va me... Waouh. Va passer loin, Demacia. Je me suis dit peut-être qu'un ulti ça va me sauver, mais pas du tout. À la limite, j'aurais dû m'escape avec le combo que j'ai appris tout à l'heure. Le problème, c'est que le combo que j'ai appris tout à l'heure, j'arrive pas à l'appliquer. Quand je suis stressé, mon cerveau ne réagit pas assez vite, en fait. Il y a une option dans battle.net pour Bilby et Twitch. Ah bah voilà. Merci merci d'avoir répondu, c'est cool. C'est gentil. Parce que moi, je pensais que ça se faisait sur Twitch, vous voyez. Nal, fake news. J'ai donné une info de chat, malgré moi. Ah, dommage.
Putain, c'est vrai que j'ai un passif avec Azir, moi. J'ai un passif avec Azir. J'essaye de venir, on verra si je fais un truc ou pas. Ah. Ah. Oh là, non, pas Jinx. Non, 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 non. Je refuse de fight quand il y a Jinx. Ça ne sert à rien. On va prendre trop cher, les potes. Aïe. Ah. Oh, c'est difficile de jouer Azir quand il y a un ADC qui fait aussi mal, non? J'ai vraiment beaucoup de mal. Faut vraiment que... En fait, faut que j'apprenne à rester caché derrière les soldats au maximum. Le problème quand tu joues Azir, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne te respectent pas. Genre, ils passent à travers les soldats, quitte à se prendre quelques coups. Et ils viennent te défoncer, en fait, juste derrière, donc... Oh, il faut que je... Faut que je fasse mieux. Essaye d'endnasher next. Ah. Ah merde. Ok, ouais, on verra. Je vais voir. Quand t'es stressé, mais tu stresses toujours. Je stresse pendant les... pendant les fights de 1v1, on va dire. Là, par exemple, j'ai essayé de mettre quelques dégâts. Oh mon dieu, il y a des gens. J'ai quand même esquivé le Z de Jean, hein, alors qu'il est avec moi. À l'aide. Putain. C'est horrible. Laissez-moi jouer. Oh. Ulti beaucoup trop tard, Nalf. Tu as oublié que tu avais un ulti et une barrière en plus. Gros naze. Bolos. Dans le Nashor peut-être. Bon bah ok. On va voir. Hein. Je vais virer ça du coup. Bolos. Salut Lilou Melody. C'est super gentil. Merci beaucoup. Salut. Bienvenue. Bonjour, c'est ma première sur un tel live. Du coup je tenais à te dire que j'aime beaucoup tes vidéos. C'est trop gentil. Merci. Et tes lunettes. Les lunettes qui vont partir sûrement. Merci beaucoup Léa Fio. C'est gentil. Bienvenue à toi. Comment il faut faire pour participer au Game Viewer? Entre chaque game, je mets un message dans le chat et je prends les 4 premiers pseudos qui pop. En gros, voilà. Je prends les 4 premiers pseudos qui pop et je les invite dans la game. Bon, là, c'est les 3 premiers parce que il y a un modo qui vous nique une place. Non, n'hésitez pas à vous plaindre auprès de lui, c'est Tonelor. Si vous voulez lui envoyer un MP et lui dire c'est pas normal, what the fuck. Du coup voilà. Avec le stress, je dodge mes mates aussi parfois. Je me sens tellement débile quand ça arrive. Ouais, je fais ça, mais... En fait, quand je suis sur un perso comme ça, et que j'ai vraiment pas l'habitude de le jouer, je stresse très vite. Parce que je connais pas les combos, je sais pas ce que je peux prendre comme trade. Il y a plein de trucs dont je suis pas sûr en fait sur le champion. Du coup, je suis vraiment pas à l'aise. Mais c'est amusant en vrai. Et franchement, 4-4-8, je m'attendais à finir... dans une situation un peu plus compliquée. 4-4-8. Là par exemple avec le stuff que j'ai, je sais pas ce que je peux me permettre de faire ou pas. Ah dommage. Ils sont bons les pièges. Ok. J'ai pas raté le gros. Oh putain, mais il y a Gragou. Oh, je suis un connard, j'ai appuyé trop tôt. Gros nul que je suis. Ah, putain, j'ai niqué ma team, je suis nul. Alors, note à moi-même, l'ulti n'a aucun temps de cast. C'est genre, t'appuies, il part. J'aurais tellement dû le mettre. Genre une seconde plus tard et ça passait, la Jinx elle partait vers mes alliés. Après je me demande si mes alliés la tuaient de toute façon. On a tellement de retard dans la game. Ah j'ai mal joué. Bon, je suis désolé. Bon après la game était marrante quand même hein.
La game était marrante. 4-5-8, en vrai, je pensais que j'aurais fait pire que ça. Mais c'était marrant. Merci beaucoup pour ce petit tuto Azir. En vrai, c'était cool. Mais j'ai bien aimé quand même. J'ai bien aimé. Ça va, chat? Salut YouTube, à très bientôt. Et pouce bleu, hein, bien sûr.